Chers élèves, bonjour. La séquence passée, nous avons travaillé sur le mot subjonctif et ses emplois. Nous avons dit que le subjonctif peut employer aussi dans l'ordre, la défense, le souhait, l'exhortation. Et cette fois-ci, notre leçon porte sur la grammaire. La phrase complexe. La subordonnée de cause et la subordonnée de conséquence. Chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être à mesure de présenter le texte introductif et résumer la leçon. Vous suivez, je lis le texte introductif. Comme le bord du lagon, le calme, Souloulou aime y aller. Du moment que le bord du lagon, le calme, Souloulou aime s'y rendre. Puisque le bord du lagon, le calme, Souloulou aime y aller. Souloulou connaissait si bien l'eau du lagon qu'il constata tout de suite le changement de sa couleur. Il connaissait bien chaque coin du bord du fleuve au point que le changement ne lui a pas échappé. Passons maintenant sur le résumé de la leçon. La proposition subordonnée de cause indique la cause d'un fait. Elle est introduite par les conjonctions de subordination, comme puisque, parce que, du moment que. Exemple, puisque le bord du lagon le calme, Souloulou aime y aller. Puisque le bord du lagon est calme, puisque le bord du lagon le calme, Souloulou, aime y aller. Souloulou, aime y aller. Ici, puisque le bord du lagon le calme, Souloulou aime y aller. Nous avons puisque le bord du lagon, le calme. Ici, c'est la proposition subordonnée de cause. On appelle aussi conjonction de subordination. Passons maintenant sur la subordonnée de conséquence. Ça exprime l'effet, ce qui est le résultat d'un fait, une action. Elle est introduite par les locutions conjonctives, de sorte que, si bien que, au point que, de manière que, etc. Exemple, il avait si peur qu'il ne pouvait plus courir. Souloulou connaissait bien chaque coin du bord du fleuve, Logon, au point aucun changement intervenu ne lui aurait échappé. Nous avons la présence de aucun. Ça, c'est la subordonnée des conséquences. Notez bien. Les verbes de subordonnée circonstancielle de cause introduites par trop. Pour que. Assez. Pour que. Assez pour que sont au subjonctif. Exemple, il fait trop chaud pour que nous sortions à présent. Il fait trop chaud pour que nous sortions à présent. Il fait trop chaud, trop chaud, trop chaud. Il fait trop chaud pour que nous sortions
À présent. Nous sortions. À présent. Il fait trop chaud pour que nous sortions à présent. Nous avons ici pour que. Ça, c'est le subordonné circonstanciel de conséquence. Cause et conséquence constituent le même rapport de cause à effet, envisagé à sens contraire. Exemple, il s'en va parce qu'il a fini de manger. La cause est dans la proposition subordonnée et la conséquence qui est le résultat ou l'effet est dans la proposition principale. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec la phrase complexe, la subordonnée des causes et la subordonnée des conséquences. À nous revoir dans une autre séquence.